Aujourd'hui, je vous embarque à bord de mon bateau imaginaire, destination le palais de justice. Allez, venez, approchez-vous des façades, vous ne remarquez rien de particulier? Exact, il y a des Legos dans la façade. Mais pourquoi? C'est l'artiste Jan Vormaan, dont la spécialité est d'intégrer des Legos dans les paysages urbains, qui a comblé certains trous du palais de justice, vestige de la Seconde Guerre mondiale. À travers son œuvre Dispatchwork, l'artiste franco-allemand comble les trous des murs urbains d'Europe et d'ailleurs avec des Lego. Et c'est dans le cadre du festival Street Art Rouen Impressionné que l'artiste a posé ses Lego sur les façades du palais de justice. Enfin, ces Lego. Pour être honnête, il faudrait plutôt parler des Lego des Rouennais, car c'est grâce à une collecte publique que l'artiste a récupéré des Legos pour habiller de couleurs les murs du palais de justice. Alors, si vous souhaitez savoir si Jan Vormaan a posé des Legos dans votre ville, rendez-vous sur son site www.dispatchwork.info que vous retrouverez dans la description de ce podcast. Et puis, si vous aimez ce podcast, je vous invite à cliquer sur le pouce j'aime situé sous la vidéo pour m'encourager à réaliser d'autres podcasts, mais également à partager ma chaîne YouTube avec vos proches, amis et collègues. Un grand merci.